Bien le bonjour, cher Jamy, c'est l'heure de tout play. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Plus Jeune Architect. Oh yeah! Je suis super content de tourner une vidéo de Plus Jeune Architect. Wouhouhou! Alors qu'on vient de trouver un fil de fer sur notre ami Paul Boys. Enfin, vous l'avez pas vu, mais moi, juste avant de lancer la vidéo, le mec s'est fait choper avec un fil de fer, s'il vous plaît. Ce n'est pas rien, avec ça, on peut crocheter des serrures. Attention, attention. Alors aujourd'hui, quoi de neuf? Eh bien, on va tout simplement vendre la prison. Et puis on va commencer une nouvelle sur un plus grand terrain. Donc là, on avait à peu près expérimenté pas mal de choses. On venait d'installer les chiens. Donc je pense que dans la prochaine prison, ils seront très utiles parce que vraiment, ils fouillent absolument tous les prisonniers. Dès qu'il y en a un qui passe, tac! T'as le chien qui renifle, hop! Et puis le mec, s'il a de la drogue sur lui, et hop! Direct, holding, pas holding cell, il sera directement... en solitary pendant je sais pas combien de d'années. Non, je déconne d'heure. Enfin, deux minutes plutôt. Et donc voilà, ça me fait plaisir de reprendre. Là, j'avais vachement envie de tourner. Je suis tout content. En fait, pour tout dire, c'est parce que j'ai enfin terminé ce... J'avais un devoir de philo. J'ai mis 3 semaines à le faire. Mais j'ai réussi. Je suis libre maintenant. Oh. Je voulais juste vous dire... Enfin, vous donner une petite information. Donc alors normalement ma carte graphique devrait arriver très 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 prochainement si je ne dis pas de conneries. C'est à dire que normalement c'est censé être la semaine prochaine dans les délais, hein. Normalement c'est censé être la semaine prochaine. Donc je vous tiens au courant. Et pendant ce temps là je vais juste pas continuer, je vais pas commencer de nouvelle série. Je vais juste attendre la semaine prochaine d'avoir ma carte pour commencer toute nouvelle série, quelle qu'elle soit en fait. Donc je vais juste continuer Prison Architect en fait, si vous voulez. Et puis je vous ferai peut-être une vidéo détente, quelque chose comme ça, comme vous avez pu constater avec ma vidéo sur War Thunder. J'espère qu'elle vous a plu. Par contre, dites-moi si vous trouvez la qualité pas trop dégueulasse, parce que je crois que je me suis un peu chié le montage. Là j'ai essayé avec Sony Vegas. J'ai pas encore tout à fait apprivoisé, on peut dire ça comme ça. Les réglages au niveau du rendu. Mais bon, voilà, j'espère que c'était pas trop dégueulasse. J'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Là, vous pouvez voir que... Putain, j'ai... Les chats, ils passent au peigne fin absolument tous les prisonniers. Hein. Même, putain, ils ont pas... Ils ont pas rebouché ici ces espèces de... Rebouchez-moi ça. Bon, on n'aura pas complètement fini les aménagements structurels de la prison. Enfin, je sais plus si ça se dit structurel ou structuraux, bref. Donc voilà, on va pouvoir passer à la vente. Hein. Alors, c'est dans quel menu? Tuck, 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 finance. Non, c'est pas là. Valuation. Ok. Alors, on aura réussi à faire quand même un score de 270 000 en termes de valeur de prison. Ce qui est très honorable, pour pas dire un petit peu à chier. Mais il y a personne. Donc, en termes de briques et mortier. La valeur de la prison, enfin on va dire les murs de la prison contribuent à 104 000 $ de la valeur totale de la prison. Voilà, pour ceux qui ont compris. Quant aux fixtures and fittings, alors ça, mystère, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Stock and materials, même pas 1 000 $. Ouais, parce que là on a pas vraiment de stock. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prisoners capacity 41 et on en a 52. Ah, ça nous donne 41 000. On a 50 000 de cash. Par contre, de la drogue. Une pilule. Ah, mon cher Thompson, tu as été chopé. Je suis désolé. Ah, c'est pratique les chiens pendant la cour. Hein. Donc, moins 30 000 pour les contrats que j'ai pris au début. Bon, ça c'est logique. Mais c'est pas très grave. On va pas en faire tout un plat. Tac tac. Tac, bonus sans incident 140 000. 584 heures, hein, pas mal. Hein. Depuis 2-3 épisodes, j'ai réussi à ce qu'il n'y ait aucune baston. Serious injury, ça, il y en a eu plein. 20 000. Unsolved murders, il y en a eu un. C'est Gisèle. Gisèle, le workman, qui nous a quittés. On l'a enterré. On l'a enterré juste là, vous voyez ici. C'est son petit cercle. Là, on voit pas, mais là où il y a l'herbe. L'herbe qui a poussé. C'est un signe de deuil. Non, je déconne. Et puis on a eu une escape, mais ça j'ai pas vu, une fuite. J'ai vraiment pas vu. On va juste la regarder bosser une dernière fois avant de la vendre. Ok, c'est nickel. Ça veut dire que si... Attendez, si j'ai bien compris,
Ça veut dire que là, si je la vends, je récupérerai 270 000 pour ma prochaine prison. Mais c'est beau ça! Hasta la vista, baby! Ok, on va juste attendre de les voir travailler. Bon, par contre, je vous préviens là, quand on aura le nouveau terrain dans 2 minutes, on va faire une espèce de phase de planning. On va pas vraiment avancer aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un autre épisode assez rapidement dans la semaine pour vraiment commencer la construction et tout le bordel. Mais là c'est, on va faire le planning, on va un peu penser à ce qu'on va faire. Voilà, on va planifier. C'est le terme exact. Ok, je les ai même pas regardé travailler moi. C'est bon là, on dirait. Ouais, il y a du stack là, il y a du stack. Il y a du stack. Et par contre, est-ce qu'ils travaillent dans la laverie? J'ai vraiment pas l'impression qu'ils bossent dans la laverie, hein. C'est un truc de fou. Sur des déploiements, job. Si, pourtant ils sont. Si, ils bossent, c'est juste que la caméra. Attends. J'ai envie que t'ailles voir là-bas. Ouais, il y a personne. Ouais, étrange. Il y a toujours ce bug de 500. Ouais, là on en aura fait de la plaque, hein. Ah, il y en a un sacré paquet. Ok, bon. Bah, c'est parti. C'est le soir. C'est le free time. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va la vendre. Vous êtes prêts? Je signe le papier. Je suis chez le notaire. 1, 2, 3. Ding, 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 ding. Je l'ai vendu. Wouhou. Found. Voilà. Ça veut dire que. Je récolte les 270 000 de valeur sont transférés sur mon compte bancaire que je vais pouvoir utiliser pour construire la nouvelle prison. With much money in your back. Plus les contrats, faut pas oublier. Ça, c'est super bien. Ah, quoique. Ah non, attendez, j'ai peut-être dit une grosse connerie en fait. Attendez, on va prendre un medium. Fog of War, ça, on va continuer. Continuous intake. Ça, on va pas le mettre pour l'instant. Par contre, là, je vous dis, ouais, je vais pas le mettre, mais je vais quand même essayer d'élever franchement le nombre de prisonniers, hein, pour que ce soit très plutôt intéressant. Medium, ok, c'est parti. Play. Et hop. Ok, bon, alors c'est vrai que là, tout de suite, même en medium, on a un terrain vachement plus grand. Ce qui est plutôt appréciable. Donc déjà, alors pour commencer. Ah ouais, j'ai 280 000. Wouh. Est-ce que j'ai les grants? Et en plus j'ai tous les contrats. Ok, bon alors niveau on va dire financièrement, là je crois que ça va plus être un problème. On va vraiment pouvoir s'amuser sans trop galérer dès le départ, ce qui est plutôt intéressant. Alors déjà, ce qu'on va faire, je vais essayer. Je vais juste faire un truc. Comme je sais que les barrières ne coûtent rien, je sais que ça fait. Alors, ça fait 120 mètres. 120 mètres, ok. Alors, 120 mètres. 120 mètres, 120 mètres, 120 mètres. Ok. Alors, ça, j'aimerais bien que ce soit au milieu. À moins que. Non. Non, non, non. On va le laisser là. Ça, c'est parfait ici. Alors par contre, on va faire peut-être une zone un peu plus... alors, room. C'est où? Deliveries, voilà. On va faire peut-être une zone un peu plus... voilà, comme ça. Garbage. The garbage. Ouais, mais ça, c'est pas super utile. On va plutôt mettre storage. Tac, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pensais, alors on va prendre tout de suite l'option planning. Voilà. Alors wall. Donc ce qu'on va faire, je pensais faire une prison du style avec des miradors et tout le bordel, avec un mur intérieur où les gardes dans lequel les gardes peuvent circuler. Peut-être entouré de barbelés, je ne sais pas. Ouais, on va faire une prison du style vraiment haute sécurité, hein, c'est-à-dire que d'ailleurs, ouais, ce qu'on va faire, c'est que on va d'abord avec des barbelés. On laisse toujours un petit écart. Je vous préviens, par contre, au début, je ferai. Bon, quoique ça coûte rien, les barrières. Ça coûte pas grand chose. Voilà, on laisse toujours un petit espace entre les deux. Voilà.
Donc ce qu'on va faire, on va faire un truc plutôt sympa. J'espère, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi un guide sur Steam. Bon, de toute façon, là, c'est du planning, donc on s'en fout, on peut dépasser. Ok. Donc ça, c'est le tour de la prison. Jusque-là, vous me suivez. Mais par contre, c'est juste le contour. Attendez, c'est pas complètement enfin, la prison en elle-même. À l'intérieur de ça, on va faire... Je me suis gouré. Des miradors. Alors, des petits miradors pas trop grands. Quoique... Non, c'est pas assez grand ça. Pas assez grand. Histoire que... Voilà, des miradors de 6 sur 6. On va pas en faire trop, mais on va en faire assez. Comme ça, là... Ouais, Attendez, je réfléchis à un truc. Attendez. Là. Là. Ah si, c'est bon, nickel. Là. Là. Ouais, parfait. Donc on en fait un autre pas trop loin. Bon, je sais que c'est pas super intéressant, mais je veux que la prison ressemble vraiment à quelque chose de sympa, quoi. Non, là je l'ai fait du mauvais côté. 6. Tac. Voilà, parfait. L'autre, on va la faire dans le coin. Hop là. Ben voilà. C'est parfait, ça. De beaux petits miradors. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment pile au milieu, mais bon, on s'en fout. Voilà, faut qu'on fasse un truc qui a de la gueule. Hein, qui a de la gueule, vraiment de la gueule. La bonne grosse gueule, comme on aime. Ouais, je parle pas. Voilà, on va faire... Donc, vous avez compris le principe. Mirador. On va faire ça. Bon, là, je... C'est peut-être pas trop super utile d'en faire 3. Quoique, on n'est jamais trop prudent, si vous voulez, mon avis. Donc là. Hop. Voilà, là c'est parfait. On admire toute la maîtrise, voilà, hein. On sent que j'ai fait ça toute ma vie, hein. Ben oui, forcément, hein. C'est logique en même temps. Quoique, je sais pas si c'est vraiment très utile d'en mettre un, ça suffit ici. Hein. Over 2, je veux dire. Bon, allez, on va en mettre. Donc voilà. Bon, ça, bon, le reste, je le ferai après tout seul, hein, tranquillement. Donc, l'entrée de la prison, comment ça va se passer? Alors, déjà... Qu'est-ce qu'on va... On fait une entrée... Ouais, déjà, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, ce qui serait bien, c'est que je mette juste une seule porte et que je mette... Enfin, je sais pas si ça marche, j'espère. Qu'on puisse mettre une solitary door à l'entrée de la prison. Voilà, pour que ça fasse du style. Vous voyez, quand on arrive, on s'arrête sur le deliveries. On arrive et hop, une porte, une sorte de porte blindée où il y a juste le petit cache où le mec fait... Vous pouvez rentrer. Voilà, comme ça, tu vois. Et genre ici on fait une mini cour. Et juste derrière on fait le merde, comment ça s'appelle, le holding cell. Vous voyez, un truc un peu du style. J'avais oublié de préciser, oui, les miradors seront bien sûr en mur, en concrete wall, bien évidemment. Donc ce qui veut dire que ce qu'on pourrait faire comme entrée. Alors déjà ça va être du barbelé. Ça va être du mastoc. Alors, une double. Ah merde! Putain, mais j'ai mis les vrais mains. Con. Planning, c'est où le planning? Planning. Alors, ici. Voilà, on va faire un truc comme ceci. Voilà, ça fait une jolie entrée, ça. On va faire la même chose, non? On va faire la même chose de l'autre côté. Ouais. On va faire la même chose de l'autre côté, si vous voulez tout savoir. Ici, il faudrait quand même qu'ils aient un accès au camion assez simple. Attendez, comment j'ai fait? Il faudrait qu'on fasse la même chose. Voilà, comme ça. Je sais, dans ma tête, c'était pas si clair que ça. Hein, ok? Je suis fatigué, hein. Bon.
Voilà, ça c'est la zone de deliveries. Je vais peut-être privilégier une... Non, ça va. Non, ça va, c'est nickel. Regardez-moi cette entrée qui a du charisme. D'ailleurs, en parlant de charisme, en room, on va faire ça comme ça. Bon, j'espère que vous voyez à peu près comment... Ah ! Fuck ! Oui, je suis un petit peu con sur les bords. Et c'est du storage en plus. Storage. Garbage revient. Garbage revient parmi les tiens. Et là, on mettra du béton. Pareil ici, du béton. Ici, ce sera une zone full béton. Et là, vu qu'on a de la maxi thune. Alors là. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. 200$, rien à branler. En plus, faut pas oublier qu'on a les contrats pour financer. Voilà. Donc tout ça, ce sera pas en béton. En... Qu'est-ce qu'il veut là? Boom requirements. Non, c'est bon. Ok, moins 2000 pour les concrètes. Ah, ça c'est le sol. Ok. J'ai toujours pas terminé moi. Bon, donc les miradors, on va faire ça. Ici, on a l'entrée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les prisonniers entrent dans cette zone de transit. Comme on pourrait l'appeler. Et ensuite, ils sont accompagnés. Jusque-là, on peut faire un truc du style... un truc en diagonale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on peut faire un truc assez architectural, hein. Ici serait c'est l'entrée de la prison. Ok, voilà. On va faire un truc comme ça, genre du style assez joli, un truc sympa. Toche. Tac. Alors, par contre, ça fait 5 mètres. Je descends sur 3. Je recule de 3. Attendez, je suis pas de la merde. Non, c'est bon. Je descends de 2. Tac. Alors, je sais que je parle pas beaucoup, mais faut se concentrer, hein. Il doit y avoir un petit problème. Non, c'est bon, jusque-là, c'est bon. Et alors là, attendez, j'ai du mal à voir, là. Ah, mais c'est peut-être parce que ça, c'est pas symétrique. Ah oui, effectivement, ouais. Résultat, on a un truc pas symétrique. Ce qui est plutôt problématique, en effet, oui. Bon, c'est pas grave. On va faire un truc comme ça, ça se voit quasiment pas. Et pareil, hein, on va faire un espèce de... Voilà, comme ceci. Un truc à l'architectural des années 60. Si vous voulez toucher à voir. Voilà. Voilà, comme ça on est nickel. Attendez, on va peut-être le refaire. Ah, sauf que là il y a 4 trucs. Ouais, il y en a 3. C'est pas symétrique! La. Genre ici on a combien? 8 mètres. Et merde. Ici on a combien? 8 mètres. Et si c'est symétrique. Mais alors qu'est-ce que je fais? Mais je suis juste nul en fait. Là il y a 1, 2, 3, 4 pics. 1, 2, 3, 4. 4, non, il y a un bug, Ou alors je me suis chié là comme une merde. 5 mètres. D'accord, c'est que je suis un trou du cul. Là, à partir d'ici. On descend de 3. On recule de 2. On descend. Tac. Ah, oh, je suis con en fait. Je suis con. Hein?
Mais ça me fait encore moins, c'est quoi ce délire? Attends. Oh là 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 là, c'est trop compliqué. Quoi de neuf, docteur? Hop, hop, hop. Hop. Et il y a un truc. D'accord, c'est parce que ici c'est pas centré, d'accord. Ok, bon, je sens que je vais y passer une éternité à faire un truc à l'architectural de merde là. Voilà. On va essayer de reproduire la même chose. On va céder comme ça. Ouais, c'est bon. Ça doit pas être super intéressant. On est déjà. Waouh, on est déjà à 20 minutes. Oh là 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 là, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, ça passe trop vite, ça passe trop vite. Tac, 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 tac. Troisième, 1, 2, 3. Voilà, il y en a 3. Hein? Mais il y a un lourd sous ça ici. Pourquoi ça marche pas? Parce que je suis con! Il est con. Il est très con. Il est très con. Il est vraiment très 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 con. La 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 la. Ah putain, bah c'est pas trop tôt, hein, j'en aurais chié. Bon voilà un truc à l'architectural magnifique. Donc déjà, donc je vais faire les miradors tout seul, ne vous inquiétez pas. Et sinon... Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va faire la holding cell ici. Bon, c'est parti. On va se lancer là-dedans. On va mettre un peu de construction. Je pense que là, on va pas accueillir de prisonniers tout de suite pour l'instant. On va s'occuper de la prison, si vous voulez mon avis. Alors, par contre, à partir de là, je pense qu'on va faire un concrete wall. Donc, on s'attaque directement à ça. Déjà ici. Voilà. Allez les ouvriers, ils se manient le derche, s'il vous plaît. On n'est pas là pour prendre des vacances. Et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font? Oh, je crois que j'ai réussi à faire bugger le jeu. Vous y croyez à ça, vous? Ouais, je crois qu'il faut que ce soit à la route. Allez, je peux pas faire ça, il faut que ce soit relié à la route. Ah, j'ai les boules. J'ai les maxi testicouilles. Bon. Bah écoutez, deliveries. Hein. Non, j'allais faire une connerie. Bah voilà, qu'est-ce que vous attendez, les mecs? Allô? Allez, on va tous les décharger parce qu'ils sont un petit peu buggés. Voilà, comme ça le camion se barre. Ici, ils construisent un truc dans le vide, c'est pas grave, on leur en veut pas. Donc. Ah, si, ils construisent les barrières, d'accord. Bon, alors, on va peut-être embaucher du staff, hein, non? On va en embaucher. Voilà, on va embaucher du people. Il y a du boulot. Les mecs, il y a du boulot. Donc, je pense que j'avancerai un petit peu tout seul. Voilà, tranquillou. Pépère là, bon on a déjà dépensé 6 000 $, ça va. Je vais leur faire construire les barbelés. Voilà, un petit peu tout seul. Et puis ouais, comme ça après. Donc ouais, ce que je pense, ce à quoi je pense plutôt, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais tout planifier. Je vais tout planifier tout de mon côté. Et dès qu'on se revoit, ben on commence à construire la prison. Bien sûr en accueillant les prisonniers. Avec tous les bâtiments voilà, que je vous présenterai. Je vais faire un espèce de grand plan. Et on pourra commencer à jouer. Ce qui sera sympa, je vous assure. Là on va pouvoir vraiment se marrer. On va faire parler mes talents d'architecte. Puisque notamment c'est ça qu'on nous demande dans ce jeu, voyons. Votre imagination, faites marcher votre imagination. Oh. Vous ne comprenez pas, mon dieu. Par contre, j'ai peur que là, les camions, ils...
il puisse pas être déchargé en fait, j'ai peur. Attendez, on va regarder dans room. Drop off. Ah mais c'est peut-être parce qu'ils en ont pas besoin aussi. Je suis un petit peu con sur les bords. Ok bon là. Tac. Pour l'instant j'ai les matériaux donc ça ne me coûte rien. Faut savoir que les concrete walls sont juste un petit peu hors de prix. Ok voilà. On va tout de suite installer les portes. Donc les solitary. Je pense que voilà. Tac. Ouais par contre le problème c'est que pour les ah si ça marche les objets. Ouais ils vont en chier les pauvres. Mais le problème c'est que je sais pas si. Ouais si là je... Non mais si j'en fous une. Et je vais foutre une porte. Une staff door. Et une staff door. Ok nickel. Voilà comme ça ce sera nickel. Room j'arrête pas de dire nickel. Good. Non c'est pas encore construit. Oui tout à fait. Ici on mettra une double porte. Ah quoi que. Ah attendez j'avais pas tac material. Ici on va faire un chemin de barbelé puisqu'ils auront pas le droit de passer ici. Seul le staff aura le droit. Voilà c'est parfait. Bon, elle commence déjà à avoir de la gueule. Même s'il n'y a rien de construit. Les miradors quand ils seront faits ce sera cool. Et puis on va s'amuser. On va faire ici je pense en bas ou plutôt en haut. On fera tout ce qui est bloc de cellules, douche. On fera ça dans un seul gros bloc hein, énorme. Un complexe en gros. Cantine, douche, tout ce qu'il faut pour pas qu'ils aient 20 km à parcourir. Puis on verra quoi. Enfin, on fera une zone en haut, une zone en bas et les bureaux, on les fout quelque part dans un trou paumé. On les fait au bout, je sais pas où. Parce que de toute façon, ils bougent pas les types. Donc, c'est pas trop grave. Les mecs dans les bureaux, ils. Bon, ouais, je sais pas ce qu'ils foutent, mais. Et ils ont la foi, hein. Ils construisent. En tout cas, c'est sûr qu'ils pourront pas se barrer, les types. Et lui, il est tout seul. J'ai combien de. Bon, on va rajouter deux. Auto-saving. Voilà, 15 workmen. Alors là, niveau financement, j'ai mis le paquet. Hein. Lui va installer les portes. Si tu pouvais décharger ça, ce serait nickel. Hein. Jean-Patrick, hein. Ça m'arrangerait même. Hein. Voilà. Ok. Oh bah, déjà, ils peuvent même plus sortir alors qu'ils sont même pas. Oh là là, c'est triste. Donc, je m'occuperai des miradors, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, là, je pense que je vais l'enlever celui-là. Ça en fait trop, faut pas qu'il y en ait trop. Là, il y en aura 1, 2, 3, 4. Et là, il y en aura 5, quoi. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4, 5. Et là, pareil, quoi. Comme ça sera égal. Puis, ouais. Ce sera bon. Puis là, je pourrais commencer mes putains de méga blocs. Mon énorme complexe ici. Mon autre énorme complexe ici. Ce sera un truc vraiment relié à mort. Hein. Mais c'est tout prévu. Vous inquiétez pas. On a les moyens. Hein, on a de quoi faire. Par contre, je... Attendez, je suis un petit peu con. Ici. Attendez. En fait, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire ça comme ça. Object. Ouais, c'est bon, ça se décharge.
Ok, ils ont fini de construire les barrières. Ok, bah c'est nickel. Là, ils vont s'attaquer au béton. Par contre, là, ça requiert une entrée. On va mettre une porte de merde et on va s'occuper de ça tout de suite. On l'enlèvera après. Rent open. Ok, ils construisent le béton. Putain, ça met du temps à construire du béton, hein. Je pensais pas, mais. Et là, par contre, c'est un peu le caca parce que voilà, il y a ça stationne, ça stationne. Va falloir que je, faut pas que j'oublie de construire l'électricité, l'eau d'abord. Donc là, j'aurais fait un peu rien. Je m'en excuse. Mais construisez pas tout ça là, les, allez quoi, allez aidez l'autre pauvre là. Regardez Michel, il est tout seul. Et après, j'irai détruire. Bébé. Ah, ils ont plus de matériaux. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ah, ils peuvent pas décharger. Non, mais c'est bien ce que je pensais. Donc, ce qu'on va faire, écoutez, on va détruire ça. On va détruire ça, on va détruire ça. Ils sont obligés. Room, on va mettre garbage. Pareil, la deliveries. Et object dismantle. On va dismantle. L'entrée, c'est un petit peu raté, hein. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. Là, il y a quand même la porte. Je pense que matériel, on va mettre juste ici. Voilà. Pareil, il faut que je refasse du sol. Et de là, pareil là. J'arrive pas à cliquer sur la porte. Bon, c'est pas grave. C'est la nuit déjà. Bon, pas grave. De toute façon, on n'attend pas de prisonniers. Ok, bon, la zone de transit. Bon, c'est parfait. Ok, bon, là, j'ai dépassé le temps complémentaire. Le temps complémentaire. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi. Bon, alors, sur ce, bon, on va s'arrêter là. Bon, rien d'intéressant. J'arrête pas de dire bon, ça m'énerve. Ouais, donc je vais avancer tout seul. Je vais tout planifier. Et puis, je vous montre ça au prochain épisode. Donc, je le fais peut-être demain, si j'ai la foi. Si j'ai pas trop de boulot. Ou vendredi, enfin bref, d'ici là, ouais, ce sera dans pas trop longtemps. Si je la poste pas trop tard non plus cette vidéo. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Laissez un petit j'aime, un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!